Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Earth of Iron 4 sur le mode Wildkrieg avec mon camarade Cerik. Salut tout le monde. Salut Cerik. Donc on était à Cerik, moi je fais la guerre contre l'Arabe, Cerik il fait de la guerre contre des pays de merde et en même temps je fais la guerre moi aux États-Unis quoi. Pourquoi Cerik ne vient pas m'aider? Bientôt fini Arabie. Pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est que on n'a pas les capacités d'approvisionnement nécessaires. Voilà. Donc s'il arrive il va bouffer toutes les ressources. Déjà il y a l'Honduras qui commence à débarquer, donc il est content. Là j'ai débarqué mes blindés, ça va commencer à piquer, je pense la pro il me dit quoi? Il me dit c'est tendu mais ça va. Dès qu'on va s'avancer dans les terres, c'est ramé. Ça te dirait qu'après bon on se découpe la Perse en deux? La Perse. Je te la laisse si tu veux. Ah bon, ok, je me laisse toute la Perse? Sympa. Ouais, je te laisse la Perse, moi je m'occupe des États-Unis pour toi. Quoi faire? Si tu veux. Bon, la Norvège ça avance comment là? Vous foutez pas grand chose les mecs hein. Bon, je vais les renvoyer en fait. Ah voilà, ça y est, on va pouvoir déclencher la guerre contre le Suédois. 112 divisions de m'envoyer le japonais. Je sais que ça. La Suède a rejoint bien sûr l'alliance américaine, c'est pas grave. T'inquiète pas la Suède, c'est pas grave, on va quand même te défoncer. Sois rassuré, ma chère amie suédoise. Puis que ça Sylvestre, là, on va s'exploser la tronche. C'est vrai que les troupes de montagne sont quand même vachement bien utiles en Norvège, surtout pour les provinces du Nord. Ah bah ça ouais. Enfin, t'as les troupes de montagne là-bas et après t'as les troupes de marine en les combats dès qu'il y a des rivières à traverser, c'est un massacre. Et japonais ici. Rendu ses boutons. Ah, on les rattache. On va peut-être rechercher les armes niveau 3 quand même. Ah, bientôt les réacteurs nucléaires! Oh putain! Technologie 1943 débloquée en 1942, normal. Ouais, c'est nous, on est des Français, on construit vite. Et les bâtiments sont bientôt construits, enfin les ports sont bientôt construits au Groenland. Nickel. En même temps, le Groenland, si j'y suis encore un petit peu. Moi, bon, limite, annule la construction au Groenland. T'es sûr? Ok. T'en laisses juste un, laisse finir celui qui est en cours. L'Italie fait des claims contre l'Oman. L'Italie va se bouffer l'Arabie ouais, et l'Oman. On va aller faire la joue. Et j'aime bien le Turc. Pourquoi est-ce que le Turc a pas bouffé l'Arabie? Parce que j'ai clémé sur les trois, donc il peut pas les prendre. Il utilise le jeu avec l'IA. Bien sûr. Oh, ça y est, l'Américain a ramené des divisions face à moi. 25 divisions là. Oh! Oh! Je pense que c'est une idée de nulle part. Ah oui d'accord, 29 divisions en réserve. Là il y a de l'assaut. J'annonce, hein, l'Américain a amené toute son armée face à moi. Putain, le pauvre. Pauvre, le pauvre, il y a du monde quand même. Ça me permet de développer la région, je pense. Voilà. Non, j'ai déjà fini mon port niveau 5 ici. Ah ouais, d'accord. D'accord, oui, c'est vrai que je commence à avoir de l'usine. Allez, vas-y. Moment où ils seront approvisionnés. Ouais, par contre, faut vraiment que je booste. Dès que j'ai terminé, dès que j'ai bouffé le Turkestan, là, j'ai fait tout va. Histoire de me dire, hop, c'est bon, les deux là, c'est fait. L'Iranien a tous les coups de rejoindre la faction à Merlock, mais c'est pas grave.
L'Afghan, lui, il est communiste ou pas? Non. Il est plutôt monarchiste, ce con. Parce qu'on va leur mettre dans la gueule à ces connards. J'ai la peine pour eux, ça va être tellement beau. Défoncer les enculés d'Amérique. Les 25 divisions, il en a 39. Et je gagne un petit peu, mais. Ah, c'est trop, commence à se replier. En pensant, je développe les infrastructures. Bon, bah je peux te passer un nouveau pays. Voilà, il a rejoint la faction de l'autre con d'Américain. Non, elle a pas rejoint la faction américaine. Qu'en se fait-il? Attends, attends. Il y a le Turc, il m'a donné 50 divisions. Donc les divisions turques. Il a rejoint le communautaire, ce con de Perse! Ce C'est con beau de ça. Perse a rejoint le communautaire, c'est le pire choix possible! Oh mon dieu. Bah c'est pareil, je vais faire pareil pour l'Afghanistan si l'Afghan rejoint le communautaire. On va se gaver là au Moyen-Orient! Ça va être un nid à bordel pour les siècles, pour le siècle à venir. Alors j'annonce, mon armée d'Éthiopie maintenant est composée, tes divisions, tu m'as prêté des troupes, est composée de 73 divisions. D'accord. Alors mettre une ligne de front qui. Elle est votre capitale, notre bande de glands. Vous avez plus de capitale? Non. Bah si. Les mecs ont plus de capital, c'est la honte. Non, la honte, c'est d'être italien ou portugais ou espagnol. Le père fait rien comprendre, le pauvre. Il dit ouais, je rejoins comme une terre. C'est le monde, là, le monde rejoint la communauté. What? Faut m'expliquer là. Même en Libya. Ah, t'as la République dominicaine qui veut nous rejoindre dans la guerre. Comment lui expliquer que c'est pas. Ah non, pour m'aider dans la guerre contre l'Arabie. Allez, si tu veux m'aider, fais-toi plaisir, mon gars. La République Je pense pas dominicaine. qu'il aura une grosse utilité, mais bon. On se rend compte l'Arabie, quoi. Le Salvador Merde. pousse contre le Honduras. Oh! J'ai pris la province contre les Américains. J'aurais pété la rondelle. Les pauvres, là, ils marchent comme des cow-boys. Le Venezuela et Pérou commencent à percer contre le Brésil. Ce qui serait bien, hein. M'étonne, t'as le. Là, j'ai 50, Ah, c'est beau ça. à peu près 80 divisions américaines face à moi. Donc, automatiquement. Je pense que ce qui sera épique, ce sera de voir lorsque les Italiens arriveront à New York, dans le quartier italien de New York, ce que ça va donner. Les pizzas pour Félix. En face de moi, j'ai 44 divisions là, non, ça va peut-être beaucoup. Ah bon? Enfin, j'en ai que 16 qui tapent. Deux qui arrivent. Commence à gagner. Bien. Donc les 44 divisions. Ah ouais, ils ont passé. Ah ouais, parce que le truc, c'est qu'ils ont passé de ressources. Ils se tapent de. Ils sont à court de ressources. Donc j'attaque avec 16, 18 divisions blindées contre 44 divisions américaines. Enfin, j'ai 4 divisions contre 5 et je suis en train de les casser en deux. Turquestan a capitulé, Ça dit, très mais très ouais, ils ont que de bonne l'infanterie. nouvelle.
Bah, ils sont... ouais, ils se tapent de... ils ont pas assez de ressources. Ils ont trop de divisions. Oh les cons. Tu passes à 20%. Ah ouais, c'est trop fort. Bon, j'ai coulé des destroyers canadiens. Ensuite, je vais déployer aussi. Et vu que moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, pendant ce temps-là, je développe mon... l'industrie sur place. Putain, les pays font pitié, je vais à l'Afghanistan, ouais, j'ai 12 divisions. C'est où les aéroports? Une petite convergence sur Kaboul, tu vas voir, il va pas comprendre, il va pas aimer. Et sur Arat, on lui prend ces deux grosses villes, il y aura plus rien. On lui va faire capituler, bonne nouvelle! Avec nous, ça? Oh, Oui, c'est bien! Salvador Ça, qui a c'est mon bouffé assaut! Ouais, l'Honduras. ils ont chié le Salvador, ils ont chié le Salvador dans leur guerre. Et en fait, le fait que les Américains soient débarqués, ils ont réussi à... ils ont tout Bon, repris. on va d'accord pour le traité de paix, on filera l'Honduras au Salvador. Histoire de le remercier pour sa Ah oui, contribution. il le mérite. C'est légitime, je trouve. Le Brésil se fait enfoncer par les roast beef. Ouais, ça se passe plutôt bien. Les Américains, je suis passé à 22% de l'assaut. Le but, j'aimerais bien faire une petite enclave avec ça. Je dois avoir une tétrachée de troupes dans le coin. De toute façon, dès que j'ai assez d'approvisionnement, j'ai mes 30 divisions qui sont en train. En FK, je me branle les couilles. Ouais, j'ai 40... 32 sur 45 d'approvisionnement. Donc ça va. Distance ici, il y a combien? Me faire défoncer là-bas. Ah ouais. Alors, oh putain, j'ai 75 divisions contre moi. J'en ai 4 en défense et je tiens à peu près. Non. Et à peu près parce qu'en fait le mec, ce qui se passe, c'est que j'ai mes blindés, il peut pas percer leur blindage. Donc même si je suis à 3 de score, il peut pas percer le blindage de mes Comment blindés. il fait? Donc il pourra pas faire mes blindés perdront pas Comment de. il fait pas... Comment il fait pour pas pouvoir percer le blindage des blindés? Je veux dire, je sais qu'il y a des chars qui sont balèzes, je veux dire, le T-34 soviétique c'est vraiment bourrin. Allez, ouais, voilà. Je vais faire une poche aux États-Unis. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lorsque les Allemands ont affronté les Soviétiques pour la première fois, ils ont eu la sale découverte de voir que le T-34 soviétique résistait aux obus anti-tank. Ça va faire bizarre ça quand ça t'arrive. Du coup. Allez, putain, je peux peut-être te faire une poche avec. Attends, je peux te faire une poche peut-être avec. Bon, que une trentaine de divisions. Qu'une trentaine de Ah, divisions. donc, ah ouais, ça doit faire piquer ça quand tu tires et tu vois que les obus passent pas Du coup, quoi. ils ont été obligés de prendre la flak, les canons de 88, pour détruire les blindages anti-char. Enfin, les blindages des chars. Technique d'ailleurs qui inspira beaucoup les Allemands, notamment pendant la campagne en Afrique du Nord et qui a donné du fil à retordre aux Anglais. Allez, allez. Cinq, je vais bientôt finir. Avril à 1 heure. 44-38, ça monte. Mais l'Afghanistan a pas rejoint de guerre, le con. Il a rejoint personne, l'Afghanistan. J'ai 4 divisions, 9 divisions qui attaquent, 22 divisions américaines. Bon, mais ils peuvent pas traverser mon blindage. Et là, pensant à ça, fait que je construis, je construis, je construis, je construis. Je vais pouvoir ramener les renforts. Et après, j'aurai une putain de ligne de front. Et là, ça va faire rouleau compresseur. L'Afghanistan, il a capitulé, l'Afghanistan. La question c'est, est-ce que ça vaut bien le coup de se casser le cul avec Ah, la mer. l'Afghanistan?
Honnêtement, non. Si, quoique, vu que la partie avançait au niveau de leurs idées, ils ont dû faire des trucs. Bon, Eoman, ça dit quoi là? L'India, il est protégé par qui? Par l'États-Unis et l'Autriche. Comment dire? L'Autriche existe encore? Observateur avancé, voilà. Base de feu avancée. Un chat sauvage. Bon, l'Amérique, ça dit quoi? Est-ce que... Oh, ça y est, j'ai fini mon encerclement. Tu veux les pulvériser? Ouais, maintenant, je vais les éradiquer. Bien, au moins tu auras une grosse, une bonne base avancée. Après, ce sera chiant que le Canada sera. Ben, prends le Et t'as Canada. perdu le terrain. Ah oui, après, tu auras même pas que le Canada, il faudra juste faire tomber les États-Unis. J'envoie une division de troupes de montagne contre ces 8 divisions. J'ai commencé déjà, j'étais à 30%. Juste une division. Là, t'as les 8 divisions blindées qui sont venues aider. Voilà, et je vais lui éradiquer tout ça va être jouissif, mon lapin. Ouais. La division blindée, vous en occupez pas. Et ça. De montagne, vous ne vous occupez pas de ça. Une division de montagne là-bas et 24 divisions blindées Veux-tu voir, est-ce que là-bas. veux-tu voir la définition de l'humiliation? Vas-y, dis-moi. Alors, si tu veux voir la définition de l'humiliation, je te conseille de jeter, comment dire, un petit coup d'œil au Tanutuva. Le Tanutuva. Il n'y a plus le Si, Tanutuva. si, si. Il est là. Je le devine. Et c'est fait 402. Moi, regarde ce que c'est une Regarde, émotion. Regarde il y aurait l'Amérique du juste sa Nord. capitale, je suis autour de sa capitale en mode coucou. Je sais pas encore péter la gueule, mais tu vois, ça va pas tarder. Oh, j'adore. Je vais voir. Je vais te montrer. Tu vas voir ce que c'est une humiliation. Regarde ça, tu vas comprendre. Tu vas dire, ah, d'accord, je vois ça maintenant. Ça vient combien de jours? Deux La jours. vache, j'ai tellement de troupes américaines. Oh! Harry Truman. Ah, ça monte, ça monte. Donc tu vois mes 5 troupes de montagne. Enfin mes 5 troupes de marine. Ouais, je les vois. Elles avancent, elles vont prendre la province. Et après tu vois mes 5 troupes de marine vont attaquer en haut. J'ai besoin de quoi comme ressources? Un copain, je te raquette encore du métal. Vas-y, s'il te plaît. Donc, après elles vont faire l'assaut. Dès qu'elles arrivent, je leur donne l'art d'attaquer. Tu vas voir un peu le. Tu pourras regarder le combat. Regarde l'attaque. Et deux divisions qui tapent pour l'instant. Il y a 18 divisions ennemies. Bon, bah, je vais éliminer 18 divisions.
Ouais, et là, tu as les autres qui sont arrivés en réserve. 2 contre 5, déjà, je les casse en deux. Là, le score, il est rouge, mais faut pas s'inquiéter, ça va changer bientôt. J'ai que 2 unités qui se battent sur les... Ah oui, de toute façon, elles ont 42 francs chaque unité, c'est pour ça. Donc j'en ai que deux qui tapent. Voilà, là il y en a une à eux qui part. Ah bah il y en a plus qu'une qui se combat. Ah, et voilà, et je les ai défoncés avant que les renforts arrivent. Monstre. Voilà. C'est l'avantage des fois d'avoir des divisions qui ont une largeur de 40 et que avec de l'organisation, c'est que voilà, ça c'est mes divisions, comme je disais, en mode. Elles sont où? En mode 8-8. 40 de largeur, 134 de soft attack. Bon, par contre, ça fait le timing de fin d'épisode. Voilà. On va s'arrêter là, les gens. On vous dit bah, bye bye et donc à demain pour la suite de la série. Allez, ciao! Salut tout le monde!